nomination. Merci beaucoup. Donc, la séance est ouverte. Merci à tous d'être à l'heure et toutes mes excuses de la part de notre co-rapporteur qui ne saurait tarder. Nous allons, si vous le voulez bien, commencer par un des points à l'ordre du jour que je pensais laisser pour la fin, qui est la nomination d'un co-rapporteur pour avis pour le PLF 2025 en remplaçant de M. Benjamin Haddad qui a été nommé ministre. Donc, vous vous souviendrez, c'était la mission immigration, asile et intégration du projet de loi de finances 2025. Conformément aux décisions qui ont été prises par le bureau de notre commission, c'est donc le groupe Ensemble pour la République qui a cet avis budgétaire et qui a donc proposé la candidature de notre questeur, Mme Brigitte Klinkert, comme rapporteur pour avis. Je consulte donc tous les membres de la commission qui sont ici présents pour savoir s'il y a une objection à cette nomination. Donc il n'y a pas d'objection, il en est ainsi décidé et je vous en remercie. Et la parole est maintenant à Monsieur Pribetige. Madame la présidente de séance, vice-présidente de la commission des affaires étrangères, mes chers collègues, ce matin nous avons reçu une délégation finlandaise. J'aurais souhaité, mais c'était pas le lieu sans doute, évoquer ce problème qui nous préoccupe au niveau de l'ensemble de mes collègues du groupe socialiste et apparenté. Concernant notre commission, la nomination du nouveau gouvernement Barnier aurait dû nous conduire, pour notre commission, à auditionner le nouveau ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Or, tel n'a pas été le cas, car celui-ci reste à ce jour président de notre commission des Affaires étrangères en ne démissionnant pas de cette présidence. Je veux, au nom des socialistes, dénoncer cette situation de blocage. De blocage car elle ne permet pas à notre commission de fonctionner normalement, pleinement. Le bureau ne peut pas être réuni, alors que la situation internationale l'exigerait. Attaque de l'Iran, situation en Palestine, au Liban, cessez-le-feu. Rappelez aussi que 97 otages, toujours captifs à Gaza, près d'un an après les attentats terroristes du 7 octobre perpétrés par l'organisation terroriste du Hamas. J'en passe et je veux dire aussi la tension en mer de Chine. La France doit se mobiliser pour permettre leur libération et le bon fonctionnement de notre commission. Et mes collègues Jean-Paul Lecoq et Arnaud Le Gall ont posé la question. Et j'avoue avoir été un peu surpris, ainsi que mes collègues, d'avoir eu la réponse du secrétariat de la commission qui disait ceci au début. Pour votre information, la nomination de M. Barrot au gouvernement ne conduit pas ipso facto à sa démission de la présidence de la commission. Peut-être d'un point de vue juridique, ceci est vrai. D'un point de vue politique, cela nous pose un problème. Merci, merci, chers collègues. J'entends tout à fait vos propos et je partage avec vous l'envie que notre commission puisse retrouver son fonctionnement normal le plus rapidement possible. Je tiens néanmoins à vous rassurer sur le fonctionnement, c'est-à-dire que nos réunions peuvent avoir lieu et si évidemment, pas celles du bureau, mais en réalité, les réunions de commission ont lieu et nous y sommes en ce moment. Concernant l'actualité internationale, vous avez rappelé un certain nombre des sujets et je pourrais en ajouter d'autres, notamment la crise au Venezuela et d'autres crises qui devraient intéresser notre commission et sur lesquelles nous pourrions effectivement travailler. Et sachez que je partage également votre volonté que nous puissions réélire un président ou une présidente de commission le plus rapidement possible. En tout état de cause, je comprends que cela devrait intervenir très rapidement et qu'il y aura aussi une forme de parallélisme avec les autres commissions dans lesquelles des présidents doivent être ou des présidentes doivent être réélus du fait de leur nomination au gouvernement et que cela ne saurait tarder. Donc je suis comme vous en demande de que ce processus puisse se faire très rapidement et comme vous très attentive à ce que nous pourrons faire. Mais je vous rassure néanmoins, nous avons des débats qui se tiennent correctement, qui se tiendront, je l'espère, aujourd'hui correctement cet après-midi. En tout cas, j'y veillerai. Et nous traitons de sujets d'actualité, comme est le sujet de la francophonie, qui cette semaine est un sujet très important. Et j'espère que sous ma présidence temporaire, les choses se passeront très bien. Je compte sur vous, en tout cas, pour cela. Monsieur Petit. Oui, merci, Madame la Présidente. Je suis tout à fait d'accord avec les deux remarques qui ont été faites sur celle qui a été faite ce matin et des malentendus que je pourrais voir poindre. Il s'agit d'un problème du règlement de l'Assemblée nationale. Et c'est un problème qui est cadré dans le temps, quand même, que je le rappelle, parce qu'on est écouté par des gens. C'est pas quelque chose qui est une situation qui peut durer, qui n'est pas encadrée. Il y a un certain nombre de jours pour un ministre pour organiser
la venue de sa suppléante ou de son suppléant, etc. Et on est exactement dans ces critères. Et donc, nous n'avons plus que 18 jours au maximum, je rassure tous mes collègues, afin que cette démission ait lieu. Merci, merci Monsieur Petit. Moi, je tiens à rassurer tous les membres de la commission. L'idée est qu'évidemment, ça puisse se faire le plus rapidement possible. La session a repris le 1er octobre, donc hier. En tout cas, vous n'avez pas la parole et on ne vous écoute pas, donc je ne vais pas répondre de manière sauvage, mais non, ça fait depuis hier que la session a repris. Je vous donnerai la parole après. Vous aviez demandé la parole, chers collègues, et je vous la donne bien volontiers. Pardon. Merci. Je voulais juste vous poser la question concernant la tenue du sommet de la francophonie qui aura lieu ce vendredi. J'ai été assez étonnée que nous n'ayons pas été destinataires d'invitation en notre qualité de commissaire de la Commission des Affaires étrangères. Et je trouve dommageable que nous ne puissions pas y assister, alors que nous siégeons justement dans cette commission. Donc j'aurais voulu savoir quelles étaient la marge de manœuvre dont nous pourrions disposer pour que les membres de cette commission puissent justement se rendre au sommet de la francophonie. Merci. Alors, on me donne des éléments de réponse et notre cher rapporteur qui vient d'arriver, que j'accueille et qui est tout à fait excusé, pour apporter des éléments de réponse. Sur la question de notre présence aux événements internationaux, y compris lorsqu'ils se passent en France, sachez que c'est un combat que je mène déjà depuis 2 ans et qui est un combat au long cours. Nous sommes évidemment nombreux au sein de la Commission. Je comprends qu'il puisse y avoir des soucis de place, mais il me semble extrêmement important, et en ça je partage votre remarque, que notre Commission puisse être représentée dans un nombre le plus important possible de ces événements et quitte à ce que tous les commissaires ne puissent pas y aller, qu'il y ait au moins certains représentants. Pour ce sommet en particulier, je ne sais pas comment les invitations ont été faites, mais peut-être nos co-rapporteurs nous en diront davantage. Mais en tout cas, sachez que je me bats avec certains de nos collègues, des commissaires de cette commission, pour que nous puissions avoir une véritable représentation dans un nombre très étendu. Et d'ailleurs, j'ai fait circuler une liste et je vous la renverrai des événements auxquels je vous propose que nous participions. Et attends, je vais peut-être laisser Madame Lacraffy répondre sur ce point et ensuite je laisserai la parole à Madame Abou-Mongoli. Et ensuite, je vous propose que nous ouvrions officiellement. Ah non, pardon, Monsieur Guignot voulait la parole, je vous la donne aussi après. Mais attendez, on laisse Madame Lacraffy répondre. Madame Abou-Mongoli, vous, et on ouvre véritablement la session. Merci, chers collègues. Pardon pour mon retard. Nous votions à la DDF. Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'on est nombreux à s'être plaints, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sommet est un sommet de chefs d'État. Donc on a 60 chefs d'État et chefs de délégation qui sont là. Ici, nous sommes à la commission 70. Si on compte l'APF, on est 150. Et c'est juste physiquement impossible d'inviter tous ces parlementaires parce qu'avec les chefs d'État, leur délégation, voilà, c'est pas du tout le bon sommet, j'ai envie de dire, pour les parlementaires. Mais à nous de travailler avec l'APF, à réfléchir à ce qu'on fait. Et peut-être qu'en amont, on aurait dû organiser un événement exactement pour les parlementaires de l'APF, parce qu'on est quand même 150. C'est exactement le point. Je pense qu'il faut, à défaut de pouvoir être tous présents, il faut que dans ce type d'événement, il y ait aussi un compte-rendu qui soit fait et que notre commission s'en saisisse. Et je pense que c'est un point très important pour son fonctionnement. En tout cas, j'ai toujours milité pour cela. Je vais d'abord donner la parole à Madame Abou-Mongoli et ensuite... Oui, pour rebondir sur cet aspect des événements internationaux, juste pour rappeler que sur la précédente législature, avec plusieurs députés, dont Sabrina Sebaï et Eleonore Carroi, on avait commencé à évoquer ces sujets-là, ces sommets internationaux, ces rendez-vous internationaux, qu'on devait lister et qu'on devait porter à la connaissance du bureau, justement, pour pouvoir voir de quelle manière la Commission pouvait avoir une représentation, une délégation. Donc c'est un travail qui avait été entamé. Je pense qu'il faut vraiment le relancer. Mais pour ça, il faut pouvoir réunir le bureau et ça sera peut-être un des premiers chantiers, mais c'est justement des sujets qu'on aurait pu discuter au bureau. Mais en tout cas, juste pour dire que ça faisait l'objet d'une attention transpartisane pour le coup.
Merci, merci Nadège. Effectivement, nous en avons parlé au dernier bureau. Sachez que le bureau s'est quand même réuni cet été et s'est réuni il y a quelques semaines. Oui, mais je veux dire, il n'y avait pas encore de session ouverte et nous nous sommes réunis et le sujet a été abordé. J'ai préparé une liste que nous devons finaliser effectivement au bureau et que je vous resoumettrai. Mais j'invite chacun des commissaires à déjà me faire part, s'il le souhaite, des sommets internationaux dans lesquels il pense que notre commission devrait être représentée. Je pense que c'est absolument nécessaire que nous ayons une représentation importante dans ces sommets internationaux. Monsieur Guignot, c'est à vous, et ensuite, je vous laisse très brièvement la parole, si c'est encore pertinent. Merci. Écoutez, oui. Non, je vais être très bref. Je m'associe, bien sûr, à un certain nombre des propos qui ont été tenus avant les miens. Pour mémoire, je ne me souviens pas vous avoir entendu beaucoup protester lorsqu'il y a eu l'inauguration du château de Villers-Cotterêts, puisque même les parlementaires qui sont issus de cette région, feu la Picardie administrative, nous n'avions même pas été invités. Donc on va finir par s'y habituer peut-être. Enfin, ce ne sera pas le cas de tout le monde, en tout cas pas le mien. Mais je trouve ça quand même assez déplaisant. C'est un peu comme les... On le considère un petit peu comme les bovins qui regardent passer les trains. Et je trouve ça peu sympathique, en tout cas, de la part de ceux qui organisent ces événements. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'évidemment, sur la demande d'avoir un président réélu, plus vite ce sera fait, mieux ce sera, je pense. Et je pense que vous êtes plus proche... du ministre actuel des Affaires étrangères que nous le sommes pour notre part. Et ça serait peut-être bien quand même que l'on ait peut-être une date, que l'on sache un petit peu comment la situation va évoluer au sein de cette commission. Et puis comme je vais clôturer simplement avec la protestation, bien sûr, qu'il n'y a en tout cas pas de représentant, ni secrétaire, ni vice-président, ni président dans la commission du parti politique qui a le plus gros groupe représenté à l'Assemblée nationale. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous. Bon, je rappellerai que vous n'étiez pas candidat, mais nous n'allons pas revenir sur les votes qui ont eu lieu. En tout cas, c'est important que ces points aient été... Et non, mais en tout cas, tout a eu lieu dans les règles de l'art. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a cette demande de la part de plusieurs groupes parlementaires à laquelle je m'associe aussi, que ça puisse être régularisé très rapidement, mais que je vous invite à ce que nous reprenions tout de suite nos travaux. Nous avons maintenant nos deux co-rapporteurs. C'est bon, vous n'êtes pas d'accord. Entendu, vous, c'était sur le même sujet ? C'était 3 secondes simplement pour dire, on ne peut pas dire comment que les 70... sont quémandeurs ou viennent mendier des places. C'est simplement, et vous avez répondu, une représentativité. On n'est pas des potiches, on est députés, membres de la commission affaires étrangères. Et le but, ce n'est pas de nuire au fonctionnement de... Oui. Donc voilà, c'est tout, vous avez répondu. Parfait. C'est tout. Entendu. Non, non, mais bon, nous sommes tous alignés sur la nécessité de représenter encore plus notre commission dans les organisations internationales. Donc passons tout de suite, chers collègues, à la francophonie. Parce que, comme cela a été rappelé en propos préliminaires, il se tient cette semaine le 19e sommet de la francophonie, donc le 4 et 5 octobre. Et nous avons la chance d'avoir dans cette commission, avant même d'avoir officiellement commencé nos travaux, des travaux qui sont déjà prêts, qui datent de la précédente législature. Ce n'est pas banal et ce n'est pas dans toutes les commissions que l'on a ce type de bonne surprise. Nous avons donc Amélia Lacraffi et Aurélien Taché, qui étaient chargés lors de la précédente législature d'un rapport d'informations sur l'avenir de la francophonie. Et fort heureusement, ce rapport a été repris et va vous être présenté. Preuve que le travail, exactement, qu'ils ont été réélus, qu'ils ont été volontaires aussi pour reprendre leur mission d'information et pour nous la présenter aujourd'hui, parce que cela tombe fort à propos. Donc, cette communication que nous aurons aujourd'hui vise à compléter, du point de vue parlementaire, les échanges que notre commission a pu avoir sur le sujet avec Madame Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie, que nous avons reçue le 17 septembre dernier, parce que oui, nous travaillions pendant l'été, cette commission s'est réunie. En ouverture de nos échanges, je tiens donc à souligner à titre liminaire que la communauté francophone est un acquis précieux et une cause fondamentale pour l'influence diplomatique de notre pays dans un contexte à concurrence géopolitique et lutte d'influence qui est exacerbée. La langue française, qu'elle soit pratiquée au sein du réseau de l'AEFE, donc de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, des alliances françaises,
permet aussi à nos communautés des Français établis à l'étranger de maintenir et alimenter un lien étroit avec la France. Ce sont plus de 320 millions de personnes qui parlent français, ce qui en fait la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Le français est aussi la langue de scolarisation de 93 millions d'élèves, la deuxième langue la plus apprise, la quatrième langue la plus présente par Internet. Le nombre de personnes qui s'expriment en français connaît une nette progression de l'ordre de 8% depuis 2018 partout dans le monde et en particulier sur le continent africain. D'ici à 2070, le nombre de locuteurs francophones pourrait atteindre 750 millions et 90% des jeunes francophones de moins de 30 ans résideront sur le continent africain, ce qui doit évidemment retenir notre attention. La francophonie, si elle s'appuie sur un vaste réseau culturel et d'enseignement français à l'étranger, repose aussi sur un dispositif institutionnel original, voué à promouvoir notre langue, mais aussi à mettre en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle au sein des 88 États appartenant à l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Par-delà de ces chiffres, il me semble que nous devons collectivement nous interroger sur l'attractivité de la francophonie comme un espace politique et un espace de coopération. À l'issue du 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth qui s'est tenu à Kigali le 25 juin 2023, les États africains non anglophones, le Togo et le Gabon, ont rejoint cette organisation, le Commonwealth. Et je pense que ce signal doit nous alerter à l'orée du 19e sommet de la francophonie. Nos collègues Amélia Lacraffi et Aurélien Taché ont procédé à de nombreuses auditions et se sont rendus au Québec, à Montréal, mais aussi au Maroc, en République démocratique du Congo, à Brazzaville. Et je leur laisse sans plus tarder la parole pour que nous ayons des échanges avec eux et pour voir les pistes qu'ils pourront nous livrer. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mes chers collègues, je tiens à débuter cette intervention par une pensée pour le Liban, ses habitants et les Français du Liban que je représente, un pays qui souffre depuis tellement de temps, et un pays si proche et un pilier de la francophonie au Moyen-Orient. Mais je pense aussi à toute la région et je m'arrêterai là sur ce sujet-là. Je voudrais remercier le président de la Commission, maintenant ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, d'avoir accepté qu'on puisse vous présenter les travaux de notre mission. C'est vrai que nous avons fait près de 200, nous avons auditionné près de 280 personnes. Ça a été 6 mois denses et nous sommes tous les deux, je pense, ravis de pouvoir vous présenter nos réflexions. Le sommet lui-même se tiendra donc, comme l'a dit notre présidente, les 4 et 5 octobre. Donc le 4 à Villers-Cotterêts, le 5 à Paris, au Grand Palais. Il rassemblera 80 délégations, dont près de 60 au niveau de chef d'État et de gouvernement, ce qui est d'ores et déjà un succès pour notre pays qui n'avait pas organisé ce sommet depuis 1991, comme nous l'avons beaucoup rappelé. L'attractivité de la francophonie en tant qu'institution en sera sans doute attestée par l'adhésion de nouveaux membres. Le sommet va en effet se prononcer sur les demandes du Ghana et de Chypre, qui souhaitent passer de membres associés à membres de plein droit, ainsi que les demandes de nouvelles adhésions de la part de l'Angola, du Chili, ainsi que du Land de Sarre, de la Nouvelle-Écosse et enfin de la Polynésie française. Les sommets de la francophonie se tiennent tous les 2 ans, depuis le sommet de Versailles en 1986, et ils ont progressivement acquis un rôle de plus en plus important. Outre l'OIF elle-même, la francophonie est un écosystème complexe qui croise des initiatives et des intérêts, parfois convergents, parfois concurrents, et de nombreux acteurs. Car il coexiste à la fois les initiatives de la France elle-même pour promouvoir la langue et la culture française dans le monde, mais aussi les politiques publiques de nos partenaires. Dans différents domaines, on pense en particulier à l'action du Québec, du Canada, dans les domaines des politiques migratoires et de l'aide au développement. Nos partenaires belges, eux, sont très actifs à nos côtés pour promouvoir l'enseignement de la langue française auprès des fonctionnaires et des eurodéputés dans les institutions de l'Union européenne qui sont si prompts, hélas, à basculer vers le tout anglais. Et je sais qu'on en a beaucoup parlé ici. Je tiens à souligner que, loin de toute approche condescendante des pays du Nord, la francophonie repose largement sur des initiatives venant du Sud. Et on peut citer aujourd'hui, par exemple, le Maroc, qui voit dans l'Afrique francophone un vecteur de croissance sur le continent. La Côte d'Ivoire très investie dans la francophonie politique et économique, ainsi que le Sénégal. De nombreux pays de l'OIF engagent ainsi, à différentes échelles, des politiques propres de promotion de la francophonie, parce qu'ils considèrent qu'ils ont soit intérêt
à ce que leurs ressortissants parlent français ou que la francophonie leur offre un espace de coopération et de dialogue adapté. Le sommet va donc rassembler ces États autour de la secrétaire générale de la francophonie, mais traitera d'enjeux qui vont bien au-delà de l'OIF, car d'autres organisations ou associations internationales jouent aussi un rôle majeur. Certaines sont qualifiées d'opérateurs par la charte de la francophonie. Il s'agit de l'AUF, donc l'Agence universitaire de la francophonie, de l'AIMF, l'Association internationale des maires de France, du groupe TV5 Monde et de l'Université Senghor d'Alexandrie. Auquel s'ajoute une assemblée consultative, l'APF, donc l'Assemblée parlementaire de la francophonie dont je suis la présidente déléguée et dont nous avons ici le président Monde, Monsieur Fuchs. Et deux conférences ministérielles permanentes, soulignant par exemple que l'AUF regroupe plus de 1000 universités dans près de 120 pays, donc bien au-delà des frontières de la francophonie institutionnelle que nous connaissons, qui compte notamment 63 universités algériennes, des universités en Chine, en Inde. D'autres organes francophones comme l'AIRF, que vous devez connaître, donc l'Association internationale des régions francophones, ne bénéficient pas du même niveau de reconnaissance institutionnelle dans la charte, ce qui nous paraît peut-être une anomalie à corriger. Il en est de même pour plusieurs associations de la promotion de la francophonie des affaires. Il faut enfin mentionner qu'il existe plus d'une centaine d'organisations rassemblées dans la Conférence des organisations internationales non gouvernementales, COING. Certes, depuis le sommet de Jeddah, les acteurs reconnus par la charte partagent ce qu'on appelle un cadre stratégique, mais l'articulation d'ensemble est encore à parfaire et cela nous paraît être l'un des enjeux de ce sommet. Ces dernières années, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a pu se concentrer sur un ambitieux travail de modernisation de l'OIF elle-même, mais la francophonie institutionnelle dans son ensemble demeure complexe et je pense qu'elle gagnerait peut-être à être mieux articulée. Désormais, je pense qu'il lui faut d'une part accroître son rôle de dialogue entre les États, notamment dans les situations de crise comme au Sahel ou en RDC, et d'autre part jouer un rôle d'impulsion plus visible au bénéfice des acteurs tels que l'éducation et l'enseignement supérieur, la promotion des échanges économiques, le numérique, les médias en langue française et enfin la francophonie politique. Le sommet doit aboutir à une déclaration qui sera la feuille de route pour les deux prochaines années. Il faut espérer qu'elle sera courte mais concrète et compréhensible pour nos concitoyens et elle devra absolument aboutir à ce qu'on appelle des livrables, c'est-à-dire des projets concrets. Alors, avant de commencer mon propos, je veux m'associer évidemment à tes propos, chère Amélia, au sujet de la souffrance du peuple libanais et au remerciement évidemment de la Commission de pouvoir nous permettre de vous présenter ces premières grandes lignes du rapport, puisqu'il faudra ensuite présenter le rapport complet. Et avant d'évoquer les projets et les livrables qui pourraient être ceux du sommet ce week-end, parce qu'effectivement c'est l'essentiel, je veux aussi revenir sur l'idée qu'à moyen terme, il me semble important qu'on puisse réfléchir à ce qu'on souhaite vraiment qu'il advienne de ce beau projet francophone, de ce beau projet qu'est la francophonie. Et je crois par exemple que réaffirmer un rôle de secrétaire général avec une dimension plus politique qui pourrait rassembler un noyau dur de pays qui ont par exemple le français comme langue officielle pourrait être quelque chose d'important en la matière. Je pense que l'approfondissement de la francophonie est au moins aussi important que son élargissement. Parce que l'espace francophone, il doit pouvoir faire entendre une voix originale qui rassemble des pays du Nord et du Sud afin de plaider pour la paix, je crois qu'en ce moment c'est important, pour un ordre international plus juste aussi. Les morts de l'Ukraine ne doivent pas être seulement ceux du Nord et les morts de Palestine seulement ceux du Sud, a dit le président de la République française à la tribune de l'ONU il y a quelques jours. J'ajouterai que les morts de la République démocratique du Congo et du Liban, dont la francophonie devrait se soucier au premier chef, ne doivent pas être non plus ceux d'une partie seulement de l'hémisphère. Ce bloc francophone, il présenterait beaucoup d'avantages, notamment celui de rassembler, il faut le dire, des anciennes puissances coloniales et des pays colonisés ou en cours de décolonisation, comme nos Outre-mer. De la même façon qu'elles ont eu un rôle important, les institutions de la francophonie, pour aider le Québec à atteindre la quasi-souveraineté et à se décoloniser de la domination anglaise, à titre personnel, je considère que les institutions de la francophonie pourraient être aussi un vecteur d'accès de la Nouvelle-Calédonie Kanaky à la souveraineté, en lui permettant de devenir membre de plein droit de cette organisation, et non pas seulement membre associé, comme c'est le cas. Et j'espère que le sommet de Paris sera l'occasion d'aborder ce sujet et de faire ce saut qualitatif. La constitution de ce bloc, plus compact au sein de la francophonie, serait aussi très utile pour promouvoir l'éducation au français et en français,
puisque ça a été rappelé par la présidente Carrois, parmi les près de 100 millions d'élèves qui ont le français comme langue de scolarisation, 75% sont dans les pays de l'Afrique francophone au sens strict. Or, malgré la hausse de la démographie africaine, l'usage concret du français y croît de moins en moins vite, car les systèmes éducatifs doivent relever le double défi de la démographie des élèves et de la démographie des enseignants. Les dépenses publiques consacrées à l'enseignement sont parfois très insuffisantes, les méthodes éducatives dépassées et les systèmes scolaires n'offrent pas assez de perspectives ni aux élèves et à leurs familles, ni aux enseignants. Le premier défi de la francophonie est donc de canaliser l'ensemble des mécanismes de coopération éducative des États francophones vers des dispositifs de formation adaptés aux réalités humaines et économiques de ces pays et à répondre à leurs besoins concrets. Il s'agit d'espaces plurilingues où le français cohabite avec les langues nationales africaines et est surtout utilisé dans les grandes villes, dans l'administration et dans les secteurs de l'économie formelle. Les familles et les communautés locales ne se sentent impliquées dans l'éducation en français que lorsque la langue nourrit son homme, nous disait le linguiste congolais Salikoko Mufwene, que si elle est porteuse d'opportunités et de liberté, nous l'avons beaucoup entendu au cours de ces auditions, nous aimons la langue française, mais donnez-nous envie de continuer à l'apprendre, donnez-nous des raisons concrètes de le faire. Il faut donc une approche d'ensemble allant de petites classes à l'enseignement supérieur, à l'enseignement professionnel et à la formation. Nous pensons que le prochain sommet devra identifier des mesures fortes de soutien à la modernisation des systèmes éducatifs en permettant de mieux flécher les financements d'aide au développement, par exemple, notamment le partenariat mondial vers l'éducation, vers des programmes qui produisent des résultats et en coordonnant mieux l'action des différentes composantes de la galaxie francophone. Cela nécessite parfois aussi de modifier la perception de la langue française, encore souvent vue comme la langue des seules élites administratives, voire marquée par un héritage autoritaire ou colonial. Et ceci pose la question de la place des autres langues nationales dans le système d'enseignement des pays francophones qui sont tous plurilingues. Une approche plurilingue évite une coupure non soutenable entre l'école et la société et permet de répondre aux aspirations extrêmement légitimes des pays anciennement colonisés. L'Organisation internationale de la francophonie s'y emploie avec le programme Élan, élaboré depuis l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation de Dakar, qui favorise dans les petites classes un enseignement concomitant en français et dans une autre langue nationale, avec des gains en rapidité d'apprentissage des élèves mesurés dans plusieurs programmes pilotes. De même, il ne faut pas opposer le français à l'anglais, car les Africains ont aussi le droit d'apprendre l'anglais, évidemment, et d'ailleurs, certains l'apprennent pour pouvoir accroître leurs chances d'être admis pour des études en France. La francophonie, c'est donc bien avant tout un multilinguisme. Cette question est centrale également dans les pays où le français n'est pas la langue officielle mais joue un rôle de langue d'enseignement. Nous avons constaté, lors de nos déplacements, notamment au Maroc, une dynamique très positive dans ce pays où, après 30 ans d'arabisation des programmes scolaires, les autorités sont en train de réintroduire le français comme langue de scolarisation avec l'appui de l'Agence française pour le développement, ce qui a commencé alors même que les relations diplomatiques avec la France étaient gelées. Outre la centaine de millions d'élèves scolarisés en tout ou partie en français, 50 millions de personnes supplémentaires apprennent le français comme langue étrangère en LV1 ou LV2 ou en tant que jeunes ou adultes s'inscrivant à des cours de langue, notamment dans des alliances françaises ou instituts français. En raison du déclin du français comme LV1 en Europe, c'est un constat qu'on ne peut que regretter mais qui est réel, et en l'absence d'une généralisation de l'obligation d'apprendre une LV2 chez beaucoup de nos voisins, la majorité des apprenants de langue française étrangère sont désormais en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ou encore dans les pays africains anglophones, où l'on apprend le français pour travailler avec des pays francophones ou pour émigrer vers le Canada, les possibilités pour venir en France étant évidemment extrêmement réduites. Du Pérou aux Émirats, en passant par l'Égypte, mais aussi l'Inde et les États-Unis, se dessine finalement un archipel des francophilophones, pour reprendre un terme que Jacques Attali avait évoqué dans son rapport en 2014 et qui, je trouve intéressant, qui rassemble les espaces importants non traditionnellement francophones aux motivations diverses, incluant un certain prestige de la culture française, mais qui dépend de plus en plus aussi de dynamiques d'ensemble dans ces espaces et des cultures francophones. Le recours à la langue française et son apprentissage dépendent donc étroitement des progrès de la francophonie comme espace d'échange et de mobilité. Et c'est certainement à cette aune-là que devront être évaluées les décisions prises à Villers-Cotterêts ce week-end. Cela exige de concilier les politiques migratoires des pays du Nord avec les besoins de formation et les aspirations à la mobilité des pays du Sud, mais aussi avec les risques de fuite de cerveau, évidemment, et d'appropriation des compétences par les pays les plus riches. C'est un équilibre à trouver. Concernant les mobilités étudiantes, par exemple, la perspective d'un Erasmus francophone, je crois d'ailleurs que nos collègues sénateurs ont évoqué ce sujet eux aussi ce matin dans leur assemblée, est invoquée depuis de nombreuses années, sans résultat majeur jusqu'à présent. Or, justement, dans la perspective du sommet, l'Agence universitaire de la francophonie élabore depuis un an un programme international de mobilité et d'employabilité francophone, le PIMEF, j'espère qu'on lui trouvera un plus joli nom à l'occasion du sommet si cette idée est reprise, qui pourrait constituer un double livrable pour le sommet de Villers-Cotterêts, puis pour la semaine mondiale de la francophonie scientifique. Ce programme va faciliter la mobilité des jeunes diplômés au niveau master et doctorat, c'est l'idée du programme Erasmus en Europe, mais transposé à l'espace francophone, au sein des établissements conventionnés des pays volontaires, avec contribution financière des États partenaires selon un principe de réciprocité.
Ce dispositif cible les mobilités professionnalisantes de courte durée à des fins d'employabilité en université pour des stages d'études, dans les laboratoires pour des stages de recherche, mais aussi dans les entreprises pour des mobilités professionnelles. Et au-delà de ce programme innovant, nous espérons que la France et d'autres États mettront le sommet à profit pour s'engager à favoriser les mobilités circulaires, c'est la question des visas, hein, dans l'espace francophone, en commençant par les entrepreneurs, les chercheurs, les artistes, tous ceux qui ont vocation à circuler de manière extrêmement importante au sein de cet espace francophone, si nous voulons le faire vivre. Et il faudra veiller à ce que les engagements que nous aurons pris lors du sommet ne soient pas ensuite victimes de l'instrumentalisation politique constante de la question migratoire dans notre pays, et même parfois dans cette commission, et je le regrette. Au lieu de les pousser au repli délétère, il faut au contraire aider nos concitoyens à s'approprier la francophonie, comme un espace d'affinité, d'opportunité et de solidarité. À cet égard, je salue les initiatives francophones des collectivités territoriales, des métropoles ou d'outre-mer, et notamment celle de l'île de la Réunion, très engagée sur le sujet. Certaines associent par exemple la coopération décentralisée, des actions de promotion des cultures des diasporas et d'enseignement du français auprès des primo-arrivants immigrés, dans le cadre des pactes linguistiques avec l'État et la délégation à la langue française et aux Français et aux langues de France du ministère de la Culture. C'est par exemple le cas du campus francophone de Seine-Saint-Denis, initié par notre collègue Pouria Mirchali, qui avait été rapporteur d'une mission, comme la nôtre, par le passé en 2014. Encore moi. Le sommet peut donner de nouvelles occasions à la francophonie d'apporter des réponses concrètes pour souligner la perception d'une langue française en déclin, condamnée à être évincée par l'usage de l'anglais. C'est le cas en particulier dans les domaines scientifiques et de l'enseignement supérieur, où l'usage de l'anglais a été promu de manière très volontariste, voire trop volontariste, au point où on s'en souvient que la loi Toubon a été réformée en 2014 pour permettre d'accroître la place de l'anglais dans nos universités. Personnellement, je me pose la question. Même si elles sont indéniablement attractives, les formations tout en anglais de nombreux établissements d'enseignement supérieur ne jouent-elles pas en notre défaveur et la défaveur de notre langue en envoyant le message que pour attirer des étudiants étrangers en France, il faut passer par le tout anglais? Parallèlement, dans les domaines de la recherche, la plupart des mécanismes d'incitation et de promotion des chercheurs ont survalorisé les publications en anglais. Or, l'enjeu, selon moi, est d'éviter de perdre l'usage du français, car cela constituerait un appauvrissement majeur pour l'esprit scientifique en coupant nos chercheurs de tout un pan de leur héritage. Surtout, je pense que renoncer à une recherche et des publications en français ne ferait que conforter les classements internationaux anglophones dans leur règne sans partage et que nous n'aurions rien à y gagner malgré nos efforts, au contraire. Alors que certaines autorités françaises faisant preuve de défaitisme, des initiatives salutaires sont venues de nos partenaires francophones, notamment du Québec, mais également de l'AUF qui, avec le soutien du Maroc, vient d'établir à Rabat, avec le soutien du Maroc, encore une fois, d'établir une Académie internationale de la francophonie scientifique, l'AIFS. Je sais que ça fait beaucoup d'acronymes. Pour promouvoir les publications et l'enseignement de hautes études en français. Ces initiatives de nos partenaires francophones semblent avoir trouvé un très bel écho en France et j'espère que le prochain sommet donnera lieu à des annonces importantes dans ce domaine, telles que l'initiative du classement de Paris portée par plusieurs acteurs majeurs. Il s'agira de valoriser les universités francophones qui promeuvent le travail scientifique en français ou encore d'engager un travail permettant de définir des modèles d'incitation poussant les chercheurs à écrire et à publier dans d'autres langues que l'anglais. La francophonie fournit ainsi la bonne échelle pour engager des chantiers dans lesquels la question de la langue croise celle de nouveaux enjeux, de la souveraineté et de la compétitivité. Par exemple, comment aider les innovateurs à déposer des brevets en français? Comment faire de l'intelligence artificielle un atout pour le plurilinguisme? À cet égard, il faut mentionner que la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts va accueillir un centre de référence pour les technologies des langues, dit Langia, avec un système d'innovation pour le français. Il s'appuiera en particulier sur un projet européen mené par la France qui travaille sur les technologies permettant de placer d'autres langues que l'anglais au cœur des modèles d'IA. Le sommet pourrait donc voir la France s'engager dans de nombreux projets très concrets sur ces enjeux. Nous devrons aussi impulser des nouvelles initiatives pour permettre à TV5 Monde, que vous connaissez, d'être un relais plus important de la création francophone, comme sur sa plateforme TV5 Monde+. Un projet d'ouverture de sa gouvernance à des sociétés individuelles politiques
publique africaine, assortie de garanties, devra lui permettre de mieux intégrer les attentes des publics africains. Il conviendrait aussi de la doter de davantage de moyens pour en faire un véritable créateur de contenu audiovisuel francophone capable de tenir la compétition avec les grandes plateformes anglo-saxonnes que nos enfants aiment tant. Au lieu d'une image surannée de la francophonie, l'organisation du sommet doit aussi réussir le pari d'être attractif pour nos concitoyens, plutôt que la traditionnelle litanie de discours, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, mon collègue et moi. Les chefs d'État et de gouvernement seront rassemblés lors de réunions, en fait, pour la plénière, avec 8 tables rondes, et ils échangeront avec des jeunes créateurs, innovateurs, entrepreneurs, issus de l'espace francophone. Parallèlement, à la Station F, il se tiendra Francotech, un salon professionnel de l'innovation en français, avec 1500 professionnels provenant de plus de 100 pays, et plusieurs chefs d'État et chefs de gouvernement se rendront à ce salon, ce qui atteste de la priorité qui est désormais accordée à la francophonie des affaires. Notre pays a besoin de l'espace francophone, tout comme les francophones ont besoin de la France. C'est pour la France à la fois un enjeu de cohésion sociale, mais aussi de croissance et d'innovation. Il faut donc que nos compatriotes comprennent à quel point la francophonie est un enjeu d'avenir pour notre pays. Lors de ce sommet, ou lors des échanges ultérieurs, donnons ainsi la visibilité à la francophonie à travers ces grands projets à la croisée de la culture, du numérique et de l'éducation co-construits avec nos partenaires du Sud. Oui, donc pour conclure, il y a un certain nombre de livrables que vous voyez, on attend de ce sommet tous les deux. Moi, je voudrais aussi insister sur une idée qui n'est pas, à mon avis, à l'ordre du jour de ce sommet, mais qui a déjà été, et c'est à titre personnel que je l'apporte, mais qui avait déjà été mis dans un rapport d'Hervé Bourges en 2008, à savoir de créer une académie francophone des langues. L'idée est simple, c'est d'accorder un droit de regard sur la langue à tous les pays qui ont la langue française en partage. Il ne s'agit pas de constituer un adversaire de l'Académie française. En plus, le nouveau secrétaire perpétuel Amine Malouf est d'ailleurs très sensible aux enjeux de la francophonie. On a eu l'occasion de le rencontrer. Mais de matérialiser le fait que la langue française appartient à tous les francophones et se développe dans des espaces multilingues en relation avec d'autres langues nationales ou d'autres langues internationales. Cette structure, elle relèverait d'ailleurs de la galaxie francophone, pourrait avoir un siège ailleurs qu'en France, avec des réunions, le cas échéant, itinérantes dans les différents pays francophones, dans des instances académiques ou universitaires des pays membres. Elle devrait être vue comme finalement la pointe avancée d'une politique plus large, favorisant les échanges dans l'espace culturel où le français est la langue commune, sans être la langue exclusive. Il ne faut donc pas se limiter aux auteurs d'expressions françaises, mais faciliter, à mon sens, la traduction et la circulation d'ouvrages d'auteurs de langues arabes, amazighes, africaines. Il nous faut valoriser réellement, sur un pied d'égalité, toutes les cultures de cet espace de solidarité qui doit devenir plus polycentrique, avec des grands pôles culturels dans les grandes villes de l'espace francophone, Dakar, Le Caire, Kinshasa. Enfin, nous pensons tous les deux, je crois, que la contribution de la France elle-même à la francophonie peut être plus lisible et mieux incarnée. Au sein du gouvernement, les attributions en matière de francophonie ne cessent de changer depuis ces dernières années. Elles ont parfois un ministre délégué, parfois non, parfois un simple secrétaire d'État, comme dans le gouvernement actuel. Ça change assez souvent de ministère de tutelle. Je pense qu'il faudrait à minima un ministre délégué au champ de compétences large pour avoir une approche d'ensemble couvrant à la fois les enjeux de coopération culturelle, éducative, universitaire. On en a beaucoup parlé de la francophonie scientifique et je crois que c'est important, qui pourrait relever du Quai d'Orsay, mais aussi de l'aide publique au développement et de certains enjeux des politiques de langue relevant de la culture, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou des Outre-mer. On peut aussi regretter que le mot de francophonie ne figure pas dans la dénomination du ministère des Affaires étrangères et européennes, contrairement à un grand nombre de nos partenaires dont les ministères l'arborent de façon pérenne. J'ajouterai enfin, comme l'a dit la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchi-Kiwabo, que devant notre, comme elle a dit devant notre commission, pardon, que nos gouvernants au plus haut niveau manquent trop souvent à leur responsabilité de défendre l'usage du français dans les organisations internationales, alors que c'est une attente de nos partenaires. Et c'est vrai que nous avons été agréablement surpris quand nous avons été auditionnés à la représentation permanente auprès de l'Union européenne de voir qu'il y avait un vrai combat mené par ceux qui incarnent aujourd'hui cette représentation pour qu'on puisse finalement ne pas faire disparaître la langue française au profit de l'anglais dans une Union européenne qui, je le rappelle, ne compte plus le Royaume-Uni. Enfin, dernière anomalie, la France est aujourd'hui le premier pays financeur de la francophonie institutionnelle, mais elle ne dispose pas d'une représentation permanente de rang diplomatique à l'Organisation internationale de la francophonie, alors qu'elle en a une à l'UNESCO. Notre correspondant national auprès de l'organisation occupe un poste relativement modeste de délégué aux affaires francophones au sein de la direction centrale du ministère des Affaires étrangères. Et je pense que cette représentation pourrait évoluer pour qu'on ait véritablement, finalement, une représentation diplomatique de premier.
premier rang, avec un ambassadeur qui représenterait la France au sein de la francophonie politique. Ça nous semble quelque chose d'important. Voilà, ce sujet est parmi beaucoup d'autres des enjeux qui devront être traités, je pense, lors de la feuille de route de la France à la suite du sommet. Nous espérons que l'action de la France sera à la hauteur des engagements qui figureront dans la déclaration reprise. Je m'associe au fait qu'elle devrait être courte mais concrète au sein du sommet de Villers-Cotterêts. Et nous formons bien sûr le vœu que notre commission puisse être attentive aux suites concrètes qui seront données à ces recommandations. Merci à tous. Merci, chers collègues, pour ces pistes de réflexion, pour cette présentation très complète. Et bien entendu, notre commission restera très attentive aux suites du sommet et je pense qu'il serait pertinent d'envisager une autre séance consacrée à la francophonie à la suite justement de ces décisions qui seront prises. J'ouvre maintenant la discussion générale. Comme vous le savez, notre bureau de commission qui s'est réuni avant la session a acté du principe du tourniquet. Et donc, les groupes fonctionnent dans un ordre aléatoire, pas aléatoire, organisé, mais qui n'est pas toujours le même, et ce qui est une bonne chose. Et nous commençons donc par le groupe écologiste. Je n'ai pas d'inscrit, non. Donc, nous n'avons pas d'orateur. Les démocrates viennent en deuxième position. Bonjour, merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Merci beaucoup pour ce premier éclairage sur le contexte quelques jours avant le sommet de la francophonie, extrêmement important. Il se passe en France, donc il y a des enjeux pour la francophonie et pour la France qui sont extrêmement forts. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'aurai le plaisir d'avoir votre rapport dans l'intégralité pour voir justement vos propositions après un travail de fond que vous avez fait. Sur la francophonie, pour être dans un temps limité, on constate d'abord une forte attractivité, je pense que vous l'avez dit. L'Assemblée parlementaire de la francophonie a vu cette année l'Angola, Sao Tomé, Pondichéry, on aura le Land de Sarre, on aura le Ghana. Donc il y a une vraie attractivité vers l'espace ou les institutions francophones. La question, et on le voit le nombre de chefs d'État qui participent au sommet de la francophonie, donc la question n'est pas là, mais peut-être faut-il se poser. Vous l'avez dit, certains pays rejoignent le Commonwealth. Le monde dans lequel on est un monde multipolaire et le monde francophone est multilatéral. Donc aucun pays aujourd'hui ne peut se développer dans n'importe quel endroit du monde, notamment en Afrique, avec uniquement un partenaire. Il va falloir apprendre à travailler avec des Russes, des Turcs, des Chinois, des Américains, etc. Donc ça, c'est une donne absolument nouvelle. Et je pense qu'autant il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites, telles que vous les avez rappelées, sur la langue, le digital, les médias, l'enseignement, la recherche. Mais si la francophonie doit se développer dans les années à venir, elle doit changer de logiciel. On doit passer une francophonie des États à une francophonie des citoyens. Et le thème du sommet est vers celui-ci. Un, il faut de l'économie, il faut beaucoup plus d'échanges économiques, culturels, etc. Mais il faut que les citoyens s'approprient. Alors qu'est-ce qu'on a comme arme pour moi? Et il y en a plusieurs. Le premier élément pour moi sur lequel il faut résoudre la question, et l'Assemblée parlementaire de la francophonie rend avis, et on fera un symposium demain sur le sujet, c'est la question de la mobilité. Il ne peut pas avoir d'espace francophone qui se développe s'il n'y a pas des règles de mobilité, pas des règles de mobilité totale, mais en tout cas des règles claires de mobilité. Aujourd'hui, il y a des entraves. Il est beaucoup plus facile d'aller pour un francophone en Chine, en Turquie, aux États-Unis, au Canada, que d'aller en France pour des questions administratives et de visa. Donc, ces questions de mobilité n'est pas réglée. Il n'y aura pas de francophonie ou de développement de la francophonie des citoyens. Deuxième question, c'est le modèle dans lequel on est. On en vend un modèle de solidarité, de liberté publique, d'état de droit, de vision multilatérale du monde qu'aucun de nos partenaires ne peut vendre. Donc c'est là-dessus qu'il faut asseoir la francophonie pour être une francophonie de demain. Sinon, progressivement, les pays vont être un peu avec nous, un peu avec les Américains, un peu avec les Russes, etc. Donc si on veut concentrer, c'est vers ces deux grands éléments qu'il faut, à mon avis, réfléchir. Merci, cher collègue. Cher rapporteur, qui souhaite répondre ou commenter? L'intervention de mon cher collègue Bruno Fuchs n'appelait pas à des réponses, il me semble. Je partage totalement. Nous échangeons suffisamment ensemble à l'APF pour savoir qu'on est d'accord sur beaucoup de sujets. Et sur la mobilité, moi, je crois beaucoup dans les propositions que va faire l'AUF, donc sur ce programme de mobilité internationale et d'employabilité.
Oui, je m'associe évidemment. On plaide, vous avez compris, dans ce rapport pour qu'on voit enfin ce qu'on avait appelé l'Erasmus de la francophonie voir le jour. Il y a la question des visas, j'ai évoqué rapidement, mais pour être très concret, aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui nous a beaucoup été remonté quand on a mené les auditions dans l'espace francophone. C'est-à-dire que les gens disent on est très heureux, on aime la langue française, on aime le monde francophone, mais enfin, on ne peut pas vraiment s'y déplacer quand on est au Sud. Et après, sur la partie que vous avez évoquée à la fin, vous avez raison, mon cher collègue, mais j'ajouterais peut-être. Avec un point un peu plus politique, il faudrait du coup être cohérent et que la réintégration de la Guinée, par exemple, dans l'espace francophone à la demande de la France la semaine dernière paraît assez contradictoire avec les grands enjeux d'état du droit que vous avez évoqués. Merci, chers collègues. Nous avons pour le groupe Horizon et Indépendants notre collègue Bertrand Bouy. Pas l'habitude du tourniquet. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, tout d'abord, vous remercier pour l'excellence de la présentation de votre rapport, très éclairant sur les enjeux, vous l'avez dit, sur le fait que la francophonie connaît des progrès considérables depuis ces 50 dernières années. La langue française est un bien commun précieux que nous devons protéger et développer. Vous l'avez formidablement mise en avant dans votre rapport. Elle réunit, comme vous l'avez dit, 321 millions de francophones et elle rapproche les cultures et c'est bien là également l'essentiel. Le 19e sommet de la francophonie constituera un rendez-vous politique et diplomatique de grande ampleur. Je regrette, comme nos collègues, que nous ne puissions pas y être présents. En tous les cas, pour ma part, une piste importante de réflexion semble porter sur le développement de la langue française sur Internet. Bien que le français reste en quatrième position sur Internet, son avance sur les langues suivantes s'est considérablement réduite à cause de deux phénomènes principaux. Les taux de connexion sur Internet des francophones des pays industrialisés sont proches de la saturation, laissant une marge faible à l'augmentation. Et par ailleurs, la fracture numérique des pays francophones africains est très lente à se résorber. Aussi, je me permets de vous interroger au travers de cette audition sur les leviers d'action envisageables pour développer l'utilisation du français sur Internet et sur les pistes de réflexion en cours sur les futurs chantiers auxquels la francophonie devra se confronter dans l'entrepreneuriat pour faire rayonner la langue française. Donc sur ce sujet, je souhaiterais avoir votre éclairage et savoir notamment si ce sera un sujet au cœur en fait, de ce 19e sommet. Merci. Merci, chers collègues. Qui d'entre vous souhaite prendre la parole en premier ? Alors, concernant les contenus en français sur Internet, il y a un vrai sujet, un gros sujet. On entend souvent le mot « découvrabilité ». J'imagine que vous l'avez aussi entendu. Et quand on a auditionné les ministres québécois et canadiens, c'est vrai que là-bas, ils sont passés par la loi pour imposer notamment à certaines plateformes, moteurs de recherche, de proposer au moins 30% de contenu en français. C'est des pistes sur lesquelles nous pouvons travailler, il me semble. Et ensuite, sur le développement, en Afrique, je crois qu'il y a peut-être plus de smartphones que d'individus. Maintenant, il y a des sujets d'électricité, des sujets de réseau Internet. Nous sommes, je pense, entre l'Europe, les Nations Unies et la Banque mondiale, beaucoup de pays accompagne beaucoup d'États africains avec l'aide au développement notamment et du coup l'accès à Internet, l'accès à l'électricité sont des priorités pour l'OIF et pour énormément de fonds, notamment l'AFD française. Je n'ai rajouté à part que je vous remercie pour votre intérêt présenté à nos travaux. Merci. Merci. Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, j'ai M. David Riemann. Merci Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. Le dernier rapport de l'Organisation internationale de la francophonie s'ouvre sur un constat qui me parle tout particulièrement. Il est écrit que l'on est de moins en moins francophone, mais que l'on devient de plus en plus. La francophonie serait ainsi la promotion continue du pluralisme linguistique et cela participe de fait au rayonnement international de la France. Ce pluralisme est pourtant envisagé avec un peu plus de crispation dès lors que nous réinvestissons le champ géographique national, alors même que la France dispose d'une remarquable diversité linguistique. Rien que dans nos territoires ultramarins, nous réunissons sur les 75 langues régionales reconnues en France, 50 d'entre elles.
Je m'interroge donc sur le paradoxe de cette cohabitation entre, d'une part, une langue officielle standard et, d'autre part, la diversité linguistique réelle d'une nation. Car si cette cohabitation est encouragée, voire célébrée par la France hors de ses frontières, elle est envisagée avec beaucoup plus de retenue dès lors qu'il s'agit de reconnaître les propres langues particularismes culturels. J'aurais donc souhaité que mes deux collègues co-rapporteurs puissent nous détailler si, au cours des auditions menées dans le cadre du rapport sur l'avenir de la francophonie, cette sorte de dissonance idéologique avait été abordée et, le cas échéant, ce qui a pu ressortir des débats. Car je note qu'on retrouve au sein de la philosophie portée par l'OIF une pensée similaire à celle de nombreux écrivains et penseurs ultramarins qui ont porté justement l'idée d'une mise en relation avec le monde qui rompt avec le principe d'identité unique. Et célébrer la diversité linguistique et multilinguisme, c'est à mon sens reconnaître, accepter et embrasser la diversité culturelle et donc les particularismes qui font nos identités. Si l'OIF et à travers elle la France prône un universel qui ne tourne pas le dos au particularisme et à l'enracinement, comment se fait-il qu'à l'intérieur même de notre pays, il soit si difficile d'accorder à nos propres langues régionales un niveau de reconnaissance et de mise en valeur équivalent? Et ce d'autant plus que la question linguistique est directement liée à un questionnement identitaire de plus en plus présent, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale d'ailleurs. Il suffit pour cela de regarder du côté de certains pays, notamment en Afrique, qui font justement reculer la pratique de l'enseignement du français et qui font de ce recul un outil géopolitique pour réaffirmer leur propre bagage identitaire et leur propre ancrage culturel. Personne ne pourra contester d'une dynamique similaire à l'œuvre en France. Bon, cette période minoritaire, en fait, toutes ces choses-là, c'était pour expliquer cette dichotomie qu'il y a aujourd'hui. À l'international, on veut faire rayonner la langue française, mais sauf qu'à l'intérieur de nos territoires français, les langues initiales sont marginalisés, pour ne pas dire autre chose. Merci à vous. Merci, chers collègues, pour cette question ou commentaire. Qui souhaite y répondre? Oui, bien sûr, chers collègues, et c'est quelque chose qu'on a effectivement traité, enfin qu'on a essayé en tout cas de traiter au mieux possible dans le rapport. On a notamment pu auditionner la présidente Huguette Bellot de l'île de la Réunion, qui est aussi attachée à cette idée d'un plurilinguisme au sein même de l'Hexagone et de nos Outre-mer, évidemment. Et quand j'ai rebondi en fin de rapport en disant qu'il serait peut-être intéressant qu'on ait effectivement une académie francophone des langues, c'est pas uniquement pour les pays où le français effectivement est à l'international, comme vous l'avez dit, mais c'est aussi en pensant aux langues régionales, en pensant aux créoles, en pensant à tout un tas de contextes qui sont ceux du contexte national, dans lequel finalement, il y a un français qui n'est pas le même partout. Il y a aussi des langues régionales qui sont en cohabitation et en coexistence avec lui, et il me semble très très important de pouvoir valoriser ça. Encore une fois, moi je suis convaincu, et je crois que ma collègue Amélia Lacraffi aussi, que la francophonie ne peut être qu'un espace plurilingue, un espace qui favorise le multilinguisme, et il y a une espèce de paradoxe, et je l'entends dans votre intervention, et je rejoins au fait que ce ne soit même pas toujours le cas au sein, finalement, du contexte national. Pour ajouter rapidement que nous avons créé, enfin, avant nous d'ailleurs, la DGLFLF, donc la Direction Générale de la Langue Française, et aux langues de France. Et pour montrer qu'il y a vraiment un intérêt pour la cohésion, pour la diversité, à valoriser les langues de France, mais c'est une direction générale de le ministère de la Culture et c'est une délégation interministérielle très peu connue. Je ne la connaissais pas avant d'être rapporteur de cette mission. Et cette délégation a justement dans ses prérogatives d'échanger avec les élus locaux, départementaux, régionaux, les parlementaires. Et à nous, en fait, de les contacter, peut-être de voir comment on peut les aider dans leur mission de promouvoir les différentes langues que nous avons en France, parce que c'est vraiment dans son titre, des langues de France. Et après ces plus de 280 personnes auditionnées, c'est vrai qu'on s'est dit qu'au lieu d'avoir cette direction et ce délégué interministériel peu connu, même par nous les parlementaires, c'est là qu'on veut pousser à avoir un ambassadeur à l'UNESCO pour la francophonie, pour la France. On en a un à l'ONU, on n'en a pas à l'UNESCO. Merci, chers collègues. Pour le groupe Rassemblement National, j'ai Madame Marine Hamlet. Je vous remercie, Présidente. Merci également à nos rapporteurs pour leurs interventions. Alors, Madame la Présidente, je souhaiterais en avant-propos revenir sur
quelque chose qui n'a rien à voir avec la francophonie, mais qui est, vous parliez tout à l'heure de tourniquet. Et en fait, je voulais rappeler que notre groupe souhaiterait que soit rétabli l'ordre dans lequel nous avons travaillé lors de la précédente magistrature et que soient respectés les votes des électeurs qui ont eu lieu au mois de juillet. Voilà, donc propos terminés. Je vais maintenant passer à la francophonie. La francophonie en chiffres, c'est 321 millions de locuteurs sur 112 territoires. C'est une dynamique avec plus de 20 millions de francophones supplémentaires depuis 2018, et ce, principalement grâce à la démographie africaine. Alors même que 21 États partagent notre langue, la France n'est que 11e dans le classement des partenaires les plus bénéfiques, selon l'Afrique francophone, pardon, derrière la Russie ou la Chine. Le poids économique de nos échanges avec l'Afrique se réduit également, passant de 10 à 5% en 25 ans. Alors, les causes sont multiples. Je vois tout d'abord l'abandon de toute vision stratégique et cohérente depuis les années 1990, ce qui a préparé le terrain à une désunion dans un continent qui est désormais courtisé par tous. Ensuite, une attitude parfois condescendante du chef de l'État, se permettant en public des blagues de mauvais goût. On a vu notamment le cas avec le président du Burkinabé. Ensuite, également, le choix contre-productif de soutenir à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie une proche de Kagame, farouchement anti-français, ou encore une communication hasardeuse qui rend invisible pour les populations locales le bénéfice apporté par les milliards d'euros investis pour le développement de l'Europe. Alors la francophonie est une réalité humaine qui doit structurer notre partenariat avec l'Afrique. Elle n'est pas la route secours de l'influence française. Elle est un canal naturel de dialogue pour les pays ayant le français en partage. Elle doit pour cela apparaître comme directement utile à la jeunesse africaine. Alors, c'est ma question maintenant. L'organisation en France de ce 19e sommet de la francophonie représente une bonne opportunité de relancer une dynamique partenariale francophone. Préconisez-vous un changement de paradigme de notre politique africaine? Et si oui, lequel? Merci, Madame la Graffi. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Alors, le paradigme a changé depuis déjà 7 ans, l'élection de notre président Emmanuel Macron, qui a multiplié les annonces et les actions pour faire des relations entre la France et l'Afrique une relation partenariale. Les causes de la diminution des échanges économiques sont surtout du fait que l'Afrique multiplie ses partenaires, et c'est vrai qu'on n'a pas à être exclusif, et que les Africains nous le disent sereinement, que ce soit le Maroc ou l'Afrique du Sud, que désormais ils ont des relations plus forte avec les États-Unis ou d'autres pays, et ils commercent avec eux et c'est très bien pour eux, donc ils ne sont pas exclusifs et c'est normal et on n'a pas à l'être. Ensuite, pour Kagame, ce que j'ai envie de dire, c'est que Kagame n'est pas anti-français. Si vous allez sur le site internet du gouvernement rwandais, la langue française fait partie des langues officielles du Rwanda, et le président lui-même, le président Kagame lui-même a dit plusieurs fois qu'il n'était pas anti-français mais qu'il est pro-Kinyarwanda. Alors, moi, je suis intéressé, effectivement, pour qu'on ait un changement de paradigme sur la politique africaine. Ma collègue a dit que, selon elle, il avait déjà eu lieu. Peut-être que moi, je ne partage pas tout à fait cet avis-là. Je ne suis pas sûr que je partage le vôtre non plus, cher collègue, sur la politique africaine que vous souhaiteriez. Il me semble que les grands enjeux, d'ailleurs, sont plutôt des enjeux, pour le coup, de politique de défense et ce qui a été fait depuis des années avec une présence française qui a conduit à la situation qu'on connaît. Mais il faudrait faire un autre rapport. Et puis il y a déjà eu un rapport du collègue Bruno Fuchs que je vois se lever, mais qui est intéressant sur le sujet. Moi, je vous dirais juste une chose. Il y a certainement un changement de paradigme à avoir. Attention quand même, la francophonie, c'est pas la France et c'est encore moins la France-Afrique, c'est tous les pays qui partagent la langue française en commun. Et peut-être une forme de boutade, non, mais de question. Seriez-vous d'accord de soutenir les propositions que nous ferons pour une plus grande mobilité de l'espace sud de la francophonie et notamment de l'Afrique vers son espace nord, si vous souhaitez vraiment qu'on donne du contenu à cet espace francophone et qu'on le fasse vivre, parce que je ne crois pas que généralement le groupe parlementaire auquel vous apparteniez est très favorable à ces mobilités, mais peut-être que ça peut changer. Merci. Je peux ajouter un tout petit commentaire, pardon. La francophonie n'est pas inventée par la France et n'est pas la France, et est initiée par l'Afrique. Senghor, Bourguiba, Diori, Sihanouk, donc Sénégal, Tunisie, Tchad et Cambodge.
Merci, chers collègues, pour ces précisions. La parole est maintenant au représentant de la France Insoumise, Arnaud Le Gall. Bah écoutez, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire. Merci. Merci. On sait qu'a priori, un rapport complet suivra et on aura l'occasion d'en reparler. Il y aurait beaucoup à dire, en effet, sur les politiques qui ont mené à, non pas un effondrement, mais en tout cas une crise de la francophonie, les politiques en Afrique et ailleurs. Mais je m'en tiendrai à ce que nous avons dit ce matin. Nous sommes dans l'impossibilité de contrôler l'action du ministre, qui est en même temps président de notre commission. Je sais que nous avons un désaccord avec la présidente de cette séance qui considère que le bureau peut se réunir, etc. Ça n'est pas vrai. Nous ne pouvons pas nous réunir en ce moment. L'actualité internationale appelle des modifications de nos ordres du jour. Il y a des crises. Notre pays est en première ligne sur la question du Liban, lui-même un pays majeur de la francophonie. Donc nous, tant que le président de la Commission n'aura pas démissionné pour qu'un nouveau président puisse être élu, nous nous en tiendrons à cela. Merci, chers collègues. Je note donc que vous ne souhaitez pas poser de questions sur le rapport à ce stade. D'accord, très bien. Alors, on va passer directement au groupe socialiste et apparenté. La parole est à Stéphane Ablot. Oui, madame la présidente de séance, vice-présidente de la commission affaires étrangères, monsieur le rapporteur, madame le rapporteur, la rapporteure, la francophonie ne se limite pas au seul rôle de la langue française, à son développement, à son partage, mais aussi et surtout à la défense de nos valeurs républicaines et à leur rayonnement. Je pense notamment à une valeur importante qui est la solidarité. Et je prends pour exemple les États francophones, notamment les États du Sud, puisque vous parliez du rôle de la francophonie, de sa création, notamment et de leur origine avec Senghor. Ces États sont en attente d'un accompagnement aussi en matière de développement durable et souvent les populations souhaitent rester chez elles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne veulent pas échanger avec d'autres pays, mais elles veulent qu'on les aide à rester chez elles. Il y a les défis de la crise climatique et face à ces défis-là, il y a des sujets sur le développement durable où ces États ont besoin de la France pour comment qu'on soit solidaire, qu'on les aide à éviter les futures crises migratoires dont les conséquences pourraient être dramatiques, notamment pour les pays concernés comme pour les pays d'accueil. En quoi toutes ces questions d'avenir sont-elles prises en considération lors de ce sommet ? Merci, chers collègues. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite répondre ? Alors, je pense que ça fera partie des... Enfin, je l'espère, comme vous toutes et tous, je n'ai pas d'informations exclusives et regrette d'ailleurs qu'effectivement, il n'y ait pas une représentation parlementaire plus importante. Mais je pense que quand même, ça a été dit à plusieurs reprises par les institutions de la francophonie, c'est un sujet qui est pris en compte, évidemment, la question environnementale. Maintenant, je crois que la France pourrait faire beaucoup mieux aussi pour le coup, parce qu'on a quand même ce rôle à jouer. Il y a des programmes d'aide au développement qui existent et qui pourraient être peut-être davantage ciblés sur ce que vous dites, chers collègues. Moi, je pense que ce serait une excellente chose. Mais il ne vous a pas échappé, je pense qu'on en reparlera dans cette commission, qu'une baisse de 18% des crédits ne va pas beaucoup nous aider sur la question de l'aide au développement pour favoriser de nouveaux projets et faire face à ces grands défis que vous avez soulevés à juste titre. Ce qui est intéressant, c'est que les grands défis que vous venez de citer, ils ont été cités par beaucoup des personnes qu'on a auditionnées, beaucoup d'institutions de la francophonie. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que sur les financements de l'AFD, plus de 40% vont aux pays francophones. Je pense que c'est une bonne chose. Et une très grande partie aussi sur les sujets environnementaux et notamment forestiers. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai envie d'appeler aussi une francophonie verte. Si on peut appeler ça comme ça, peut-être on pourra en reparler après le sommet. Je pense qu'il y a aussi un créneau à mettre en avant et qu'on a plusieurs projets et qu'on a la chance aussi d'avoir un institut qui s'appelle l'IFDD, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est basé à Québec, qu'on a auditionné deux fois, une fois là-bas, une fois ici. Et je pense qu'il pourrait être très intéressant qu'il soit auditionné ici pour que vous puissiez en fait vous familiariser avec l'IFEF pour les cours de langue, l'enseignement du français au Sénégal et pour cet institut sur le développement durable à Québec. Merci, merci, chers collègues. Et enfin, le dernier orateur pour les groupes, j'ai la droite républicaine avec notre collègue Pierre Cordier. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, tout d'abord à mon tour, vous dire que les éléments que vous nous avez présentés dans la droite ligne
la présidente que nous avons auditionnée il y a quelques semaines était, ma foi, intéressant. Je rejoins la présidente sur le fait qu'il faille, à mon sens, après ce qui va se passer vendredi prochain, il y ait un retour, peut-être, de la manière dont les choses se sont déroulées. Je pense qu'effectivement, une présence peut-être d'un représentant par groupe à l'occasion de ces manifestations internationales, de ces rencontres internationales plus précisément, me paraîtrait pertinent, parce qu'effectivement, tous les parlementaires ne peuvent pas s'y rendre, ce qu'on peut comprendre. Moi, j'avais une petite question et je rejoins ce que notre collègue a évoqué sur les valeurs de la France qui ont toujours fait finalement cette richesse qui a plus ou moins, j'allais dire, attiré un certain nombre de pays vers nous, si vous me passez l'expression, et qui en réalité, c'est les valeurs que nous avons véhiculées très longtemps qui ont fait que, malgré un passé colonial parfois lourd, il faut bien le reconnaître, qui a pu apporter des choses positives, mais aussi beaucoup de choses négatives, a pu faire que ces personnes, ces pays, ces peuples ont su faire la part des choses et ont dit ben, on doit s'appuyer sur la France encore, et notamment sur ses valeurs et sur sa langue. Je voulais évoquer la question de deux points. La question de l'apprentissage, puisque vous avez évoqué tout à l'heure la question des questions d'électricité, etc., pour les réseaux et autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, on apprend davantage une langue grâce à un ordinateur, grâce à Internet, etc. Mais je crois aussi, même si je suis peut-être un petit peu vieille France, qu'il est important de s'appuyer sur des supports plus classiques en termes d'ouvrages et autres. Je voulais savoir un petit peu à ce niveau-là, dans les secteurs où il y a peu de réseaux et autres, la manière dont la langue française est appréhendée à travers ces supports un peu vieille France, j'allais dire. Et d'autre part, quelque chose qui m'a toujours un petit peu surpris, lorsque les ministres avaient mis en place Choose France, voilà. Ça m'a toujours un petit peu surpris, ce Choose France, pour mettre en valeur l'économie française, qu'on était capable de faire, les exportations et autres. Et pourquoi pas dire choisir la France ou trouver une expression plus francophone que Choose France. C'est une anecdote, mais ça révèle quelque part la manière dont les pouvoirs publics appréhendent cette question. Merci, chers collègues. C'est une question que nous avons eu l'occasion d'aborder au sein de cette commission. Et d'ailleurs, il y a goût de France, ce qui est aussi goût de France. Donc, les choses évoluent avec le jeu de mots, parfois. Mais en tout cas, je laisse les rapporteurs vous répondre. Pour Choose France, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans cette commission. Je partage à moitié, parce que c'est vrai qu'on s'adresse à des non-français. Et la plupart des gens à qui on s'adresse parlent l'anglais. Ce que je considère comme une langue en fait universelle, et quand on dit qu'il ne faut pas opposer le français et l'anglais, c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'il faut qu'on ait bien en tête. Donc moi je proposais effectivement qu'on applique la loi et qu'on aurait dû peut-être dans leur logo mettre et Choose France et choisir la France, pour justement que les anglophones qui ne parlent pas français puissent savoir de quoi on parle. Mais voilà, je pense absolument qu'il faut qu'il y ait les deux. Sur l'enseignement de la langue française, nous avons la chance d'avoir une association. J'aimerais aussi qu'on puisse l'auditionner ici un jour, parce qu'elle fait un travail extraordinaire depuis plus de 150 ans. C'est la Fondation Alliance Française. Et la Fondation Alliance Française, c'est des cours de français et tout ce qui est test de français. Et c'est plus de 850 alliances françaises dans plus de 137 pays. C'est colossal et je vous invite d'ailleurs à voir leur film. Il y a un film documentaire qui est sorti l'année dernière, qui montre à quel point, dans des pays avec peu d'accès à l'éducation, les alliances françaises font un travail remarquable sur des enfants dès 5 ans, 6 ans. Et on a la chance de vraiment diffuser la langue française avec ces alliances françaises. Mais il est aussi à retenir que l'OIF, l'APF, l'AFD et plusieurs institutions financent et forment des formateurs de français dans beaucoup de pays, notamment d'Afrique.
Merci. Je voudrais qu'on en profite pour rendre un hommage à ces professeurs de français, parce que dans les auditions qu'on a eues, on a vu vraiment des gens qui avaient une motivation et une vocation extrême. Hein. J'ai le souvenir, on en parlait à l'instant, notamment de l'audition de la Fédération internationale des professeurs de français, qui nous avait dit que, par exemple, au Pérou, elles avaient un professeur qui faisait, je crois, 4 heures par jour de marche pour aller donner ses cours de français, tellement il était déterminé à le faire. Donc, il faut rendre hommage à tous ceux qui se battent pour enseigner la langue, parfois dans des conditions difficiles. J'ai dit dans mon propos, les moyens pour cet enseignement sont quand même assez limités, de plus en plus malheureusement, donc il faut dire ça. Mais il y a beaucoup effectivement d'initiatives intéressantes. Amélia Lagrafi en a rappelé, les Alliances françaises, les instituts français mettent des livres à disposition. D'ailleurs, dès le début de la francophonie, ça a été un des sujets principaux, hein, mettre des livres et l'accès à la culture, à la lecture dans les endroits où c'était le plus difficile dans le monde francophone. Et donc, il faut continuer à encourager ça. Et pour ce que vous avez dit sur Choose France, oui, je suis d'accord avec vous, chers collègues. Les Québécois ont une législation très stricte sur les anglicismes, parce qu'ils luttent de manière existentielle pour le français dans cet océan anglais qu'est l'Amérique du Nord. Merci à tous les deux, chers collègues. Et évidemment, je me joins à votre hommage aux professeurs de français. Au Pérou, notamment, il y a une très belle alliance française et on a un réseau d'alliances françaises qui a beaucoup souffert pendant la crise du Covid et qui se remet peu à peu. Et je pense qu'il faut évidemment les soutenir parce qu'ils font un travail remarquable. J'ai 4 prises de parole individuelles. Je rappelle que ce sont des prises de parole d'une minute, une minute de réponse. Donc peut-être l'un ou l'autre pourra y répondre. Et donc j'ai notre collègue Jérôme Buisson qui souhaitait prendre la parole. Oui, merci Madame la Présidente, Madame, Messieurs les rapporteurs. La ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie, Madame Martine Biron, a déclaré dans un entretien à la presse québécoise au sujet du 19e sommet de la Francophonie, « Sur le plan économique, je dirais que c'est l'aspect le plus important de notre mission », et a exprimé la volonté du gouvernement québécois d'utiliser la francophonie comme vecteur de développement des échanges commerciaux de la belle province. Comme l'a rappelé ma collègue Marine Hamlet, notre présidente Marine Le Pen avait fait de la francophonie une part importante de son programme de politique étrangère. La francophonie, de par sa taille et sa diversité géographique, doit devenir un levier d'influence, non seulement culturel, mais aussi économique pour notre pays, qui n'a pas vocation à être un simple acteur européen, n'en déplaise à certains, mais aussi un acteur mondial. Aussi, le Royaume-Uni a renforcé depuis le Brexit ses relations tant politiques qu'économiques avec le Commonwealth en l'utilisant comme levier d'influence. Nous devrions en faire de même. Donc, quelles sont, à votre avis, les perspectives d'approfondissement économique et commercial des relations avec la francophonie ? Merci. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite répondre ? Petit mot pour vous dire que oui, la dimension économique de la francophonie est importante et c'est vrai qu'on a souvent le Commonwealth en tête, mais je tiens quand même à dire que les Britanniques, je soulignais le regret que j'avais de voir les crédits des développements baisser dans notre pays, mais on fait pire que nous, si je puis dire, parce qu'ils ont quasiment baissé par deux, eux, leur crédit d'aide au développement. Et voilà, je pense que le Commonwealth, on peut difficilement quand même tout à fait transposer à notre projet politique francophone, mais j'entends que la dimension économique soit à prendre en compte. Pardon. Alors, la dimension économique est tellement importante que le MEDEF a créé l'Alliance des patronats francophones, que la CPME a créé depuis de nombreuses années le GPF, Groupement du patronat francophone, et que les deux organisent énormément de rencontres, beaucoup en Afrique, mais pas que, à la rencontre des entreprises françaises et non françaises qui trouvent un intérêt à les rencontrer parce qu'il y a des échanges économiques possibles. Moi, ce que je peux dire aussi, c'est que dans beaucoup de pays de ma circonscription, des pays du Golfe ou de l'Afrique de l'Est, les ambassadeurs de ces pays-là sont venus me voir pour me dire qu'ils sont intéressés par le français pour avoir accès plus facilement aux entreprises de l'espace économique francophone, notamment l'Afrique francophone. Donc, ils pensent beaucoup au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, mais aussi le Cameroun, des grands pays, et la RDC, bien sûr. Et je peux citer qu'aux Émirats, il y a plus de 10 écoles publiques qui ont le français obligatoire en primaire. En Arabie Saoudite, il y a un grand projet de mettre aussi la langue française dès la primaire dans les écoles publiques. Et l'ambassadeur ougandais, dès 2018, était venu me voir pour me dire qu'ils veulent faire un essai de mettre le français obligatoire à l'école primaire. Donc, des pays non francophones sont intéressés. Et puis, quand j'entends tout à l'heure que la langue française est en déclin, on a quand même 22 millions de locuteurs de plus par rapport à l'année dernière. Et puis, tous ces pays que je viens de citer qui imposent le français dans leurs écoles publiques. Oui, et notamment le Costa Rica, c'est un pays où le français est encore appris dans les écoles publiques. J'ai M. Frédéric Petit
qui est inscrit. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais juste revenir sur deux choses sur lesquelles j'aimerais beaucoup insister. D'abord sur le fait du débat qu'il y a eu tout à l'heure que la francophonie est pour nous le multilinguisme depuis 5 ou 6 ans. Il n'y a pas de volonté impériale du français. Je vous signale, chers collègues, qu'il y a une langue en ce moment qui essaie de jouer l'impérialisme, c'est le russe. Hein. Si tu parles russe, donc c'est moi le chef. On est exactement à l'inverse. Donc je voulais le rappeler. Deuxième chose que je voulais rappeler, il y a eu plusieurs confusions dans certaines interventions. La francophonie, même si ça doit être traité par nos moyens d'État, par nos moyens français, la francophonie n'appartient pas à la France. La francophonie n'est pas un outil de développement de la France, n'est pas un outil diplomatique de la France. J'ai entendu des choses qui font exactement le contraire de ce qu'on fait. Je dirais même, on a parlé à un moment d'attirer que les anciennes colonies avaient été attirées par le modèle français. Mais par exemple, si le fait que la France se soit un peu réveillée au plurilinguisme dans les écoles, c'est que la France a été aspirée aussi par les pays francophones qui sont tous bilingues, sauf la France. Merci beaucoup, chers collègues. Je pense que vous partagez sans doute ces propos. On partage totalement. Oui, oui, vraiment. Moins on sera impériaux, plus on favorisera la francophonie. Parfait. J'ai Pierre Pribetich qui voulait prendre la parole et j'ai un dernier inscrit, Pierre Cordier, et puis nous nous arrêterons là. Je vous en prie. Madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, je voudrais apporter un élément et un éclairage sur, puisque vous traitez de l'avenir de la francophonie, et naturellement elle passe par la francophonie des citoyens. J'étais déjà intervenu sur ce sujet, je pense que les logiciels de traduction, et notamment en qualité et en volumétrie, doivent être plus ou moins contrôlés, entre guillemets, surtout pour la qualité de la traduction, car elle permettrait à la fois de diffuser, de faire rayonner l'ensemble de la francophonie au-delà simplement d'une traduction bas de gamme. Et je souhaiterais qu'on ait une charte de qualité de la traduction, ce qui permettrait, je pense, d'avoir une diffusion réelle de la langue française et surtout de la faire rayonner au sein de la francophonie. Merci, chers collègues, pour cette question de la traduction. Vous souhaitez réagir ? C'est vrai que lors de notre déplacement à Bruxelles, avec les échanges qu'on a faits, il a été mis en avant que le poste de dépense de traduction était un poste très, très important et qu'il y avait que dès lors qu'il y a des coupes budgétaires, c'est le premier qui y passe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de recherches, et notamment dans le programme européen porté par la France, Langia. On a des chercheurs qui mettent en avant des algorithmes pour les IA qui traduisent, mais pas qu'en français. Et c'est bien l'idée du multilinguisme. C'est essentiellement des langues latines, donc italien, espagnol et français. C'est à la Cité internationale de la langue française, chers collègues, et c'est très, très intéressant. Ils font beaucoup, beaucoup de choses, mais notamment ces volets recherche étaient très inspirants. Et effectivement, l'un des enjeux centraux pour le sujet qu'on traite aujourd'hui, c'est bien la place du français et d'autres langues que l'anglais dans l'intelligence artificielle et les grandes technologies de demain. Sinon, c'est sûr que tout ça sera très difficile. Merci, cher rapporteur. Et la parole est à vous, chers collègues. Écoutez, merci, Madame la Présidente. Un petit clin d'œil. Il y a quelques années, le président Sarkozy avait eu l'excellente idée de couper la planète en 11 pour élire des députés des Français de l'étranger. Et je me posais la question de savoir, nous en avons 3 aujourd'hui dans cette commission sur 7 présents ou 8, quels peuvent être aussi, à vous, votre rôle dans ce domaine, ce que vous avez déjà réalisé en ce domaine et quelles pourraient être les pistes de réflexion pour l'avenir. Merci beaucoup, chers collègues, et nous remercions tous le président Sarkozy pour cette innovation ou cette injustice, parce qu'il a réglé, en fait, il nous a juste réglé au Sénat. Donc, c'est parfait. Donc, c'était une anomalie, parce que on a des 12 sénateurs des Français étrangers depuis des dizaines d'années. Alors, je pense que chacun d'entre nous, nous intervenons beaucoup, à savoir, ne serait-ce que pour la promotion du français, de la langue française, de la culture française. Et après, si on parle plus de projets portés, j'en ai porté beaucoup
Notamment, j'ai créé un prix littéraire pour les francophones du monde avec l'UNESCO et on a remis le prix au mois de juin dernier, entre les deux tours d'ailleurs. Et on a eu la chance d'avoir un enseignant français dans un lycée français en Tunisie qui a gagné ce prix. Et nous avons la chance d'avoir des clubs de lecture dans le monde entier, des clubs de lecture francophones adossés aux accueils, la FIAF, que tu connais bien toi aussi. Et donc, l'originalité a été que les clubs de lecture francophones dans le monde étaient les membres du jury. Et nous avons eu 6 manuscrits. À côté de ça, j'ai créé aussi un cercle, le cercle des clubs d'affaires. En fait, l'idée, c'est qu'on n'invente rien. En tant que parlementaire, on a la chance de rencontrer beaucoup de monde, donc on peut créer des liens entre les gens. Donc, on avait des clubs d'affaires, petits clubs d'affaires, parce que dès lors qu'ils sont très gros, ils deviennent des chambres de commerce. Et là, les chambres de commerce CCIFI sont, coordonnées. Mais on a des petits clubs d'affaires qui ne se connaissent pas d'un pied à l'autre. Et donc, j'ai créé le cercle des clubs d'affaires. Et puis comme ça, on a plusieurs initiatives. Je pourrais te les lister si ça t'intéresse. Oui, en effet, merci pour la question. Nous pourrions continuer pendant des heures, mais je tiens à ce que nous finissions à l'heure, malgré le retard. Donc, du coup, je ne prendrai pas d'autres questions. J'en suis navrée. Cette séance se termine à 17h. Mais merci pour cette question. Effectivement, c'est un sujet intéressant que celui de la promotion de la langue française par les députés des Français de l'étranger. Ça fait partie de nos missions. Avant de lever la séance, je vois qu'il y a encore quelques questions de dernière minute qui souhaitaient être posées. Il y avait Nadège Abou-Mangoli qui voulait... C'est une réponse à Pierre, donc de toute façon, deux choses très rapides. Un, nous sommes la preuve que la francophonie, c'est le plurilinguisme, parce que je crois que dans les 11, on doit faire une quarantaine de langues. Voilà. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas les seuls élus des Français à l'étranger, les parlementaires. Il y a 457 élus locaux des Français à l'étranger et qui font un travail énorme parce qu'ils sont intégrés souvent dans des instances locales, en particulier en Allemagne, où c'est très intéressant, en particulier dans d'autres pays. Et ce tissu d'élus au suffrage universel direct de Français autour de la planète est une force également qui fait évidemment avancer l'esprit francophone, je dirais. Absolument, absolument, je souscris complètement. Et Nadège, tu souhaitais rajouter un commentaire peut-être ? Oui, je voulais rajouter un commentaire. D'abord, remercier nos collègues pour la présentation de ce rapport. Je sais qu'ils sont très investis sur le sujet, Amélia, parce qu'elle est députée des Français de l'étranger, mais aussi Aurélien, qui suit les sujets africains de très près. Moi, je voulais juste indiquer à la Commission que nous avons un message à adresser au président de la Commission, président-ministre Barrot. Monsieur Armand a indiqué aux députés de sa commission qu'il avait présenté sa démission, qu'elle serait officielle dans quelques heures. Et donc, en parallélisme des formes, nous souhaiterions que vous transmettiez le message que nous souhaitons évidemment vivement qu'il fasse la même chose afin qu'on soit conforme à la séparation des pouvoirs et qu'on ait un ministre de plein exercice, mais aussi un ou une présidente de commission de plein exercice dans la situation internationale qu'on connaît. Nous avons parlé du Liban, nous avons parlé de la RDC, ce sont des pays francophones amis et importants. Nous avons beaucoup de choses à dire de ce point de vue-là. Absolument, et ça a d'ailleurs fait l'objet de toute la discussion préliminaire qui a été particulièrement riche, et nous sommes tous d'accord sur la nécessité de nommer très rapidement un ou une présidente de commission. Donc, je vais lever la séance. Je vous remercie, non sans avoir remercié non seulement nos co-rapporteurs pour leur présentation extrêmement intéressante, très riche, qui amènera à d'autres discussions, j'en suis sûre, de la part de notre commission, mais également toute l'équipe de la commission pour son travail, et puis dire que nous fonctionnons malgré la situation, disons, intérimaire dans laquelle nous sommes, nous fonctionnons quand même très bien dans cette commission. Nous reprenons des travaux de la précédente législature et nous avons des débats qui, me semble-t-il, ont été très intéressants. Donc je vous souhaite à tous une bonne après-midi et je vous dis à la semaine prochaine.